Bonjour à tous, c'est Marine. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons faire des exercices pour pallier à la cellulite. N'oubliez pas que pour avoir de bons résultats, il faut allier une bonne alimentation avec une bonne hygiène de vie et faire du sport assez régulièrement. J'espère que vous êtes prêts, on est parti! Prenez une grande inspiration, montez vos bras au-dessus de la tête, hop, on enroule les épaules et on va venir ici tranquillement sur les côtés. On active tout doucement les jambes, les fessiers, pensez à bien vous grandir, serrez vos abdominaux, encore, hop, hop, hop. Même chose en allant chercher beaucoup plus loin sur l'arrière au niveau des jambes. Regardez ici, hop, voilà, très loin, encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernière. Ok, on s'arrête en squat. Ici, les deux pieds, largeur du bassin. On descend et on monte. On inspire et on souffle. On va travailler ici différents exercices avec des régimes de contraction différents. Avec du blocage en bas, de l'isométrique, pour essayer d'activer un maximum le travail dans les fessiers, dans les cuisses et aller chercher assez profond au niveau des muscles. Encore pour 8, 7, 6, encore 5, 4, 3, le dos toujours bien droit, 2, dernière fois, on bloque en bas, hop, et on remonte tout doucement, encore, on bloque et on remonte, pensez toujours, les fesses bien sur l'arrière, et on commence, poussez un maximum dans les talons, gardez le dos bien droit, on essaie de chercher l'amplitude un maximum, le plus loin possible, très bien, encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hop, une dernière, on reste en bas, allez on tient, là regardez ce qu'on va faire, on va transférer le poids du corps un peu à droite et à gauche, voilà, toujours, toujours, bien les épaules sur l'arrière. Essayez de mettre le poids du corps légèrement sur l'avant, les pointes de pied, les talons. Voilà, normalement, ça va commencer à chauffer dans les cuisses, les fessiers, les quadriceps. Encore 8, 7, 6, un tout petit peu plus bas, 4, 3, 2. Ok, très bien, on reste ici, on remonte. Placez-vous ici sur un seul côté. Hop. Une jambe au niveau du sol, le dos bien droit, on monte côté et on revient. Hop. Si vous manquez de stabilité, vous pouvez très bien prendre un bâton ou juste votre balai si vous voulez. Vous le placez ici, ça vous sert un petit peu juste à vous équilibrer. Sans forcément mettre tout le poids du corps dessus, ça, juste un petit peu, vous posez un peu au sol et vous le redressez si vous voulez. Encore. N'oubliez pas, le plus important, c'est de tourner votre pointe de pied toujours vers l'intérieur. Allez, on monte et on revient. Je monte de profil. Hop, hop, encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, une dernière, on reste en haut, hop, allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, encore, 4, 3, 2, la même chose sur l'arrière, derrière, et on revient. On garde toujours la même jambe. Ne changez pas de jambe, vous allez voir. Promis, on fera la deuxième jambe après. Faites-moi confiance. Allez, hop. Lorsqu'on amène sur l'arrière, ne creusez pas votre dos. Gardez ici les courbures naturelles. Normalement, vous avez mal à la jambe d'appui, pas à la jambe qui travaille. Pourquoi vous avez mal à votre jambe d'appui? C'est parce qu'elle-ci, elle essaie de chercher sa stabilité, d'accord, pour garder votre corps droit. C'est pour ça qu'elle travaille. Là, on travaille en profondeur, vraiment. Encore. 4. 3. 2, et on alterne sur le côté et sur l'arrière. Encore, la même chose, je vous montre ici. Sur le côté et sur l'arrière. Voilà, très très loin. Si vous avez besoin de faire une petite pause, vous marchez juste un petit peu, hop hop hop, on dégourdit les jambes et on reprend avec moi, d'accord? Sur le côté et sur l'arrière, encore. Voilà. Allez, on s'accroche, encore 4. Allez, deux derniers.
Dernière fois. Ok, on souffle tranquillement. Voilà, soufflez, relâchez vos jambes et on passe à l'autre côté. Pareil, placez votre pied au niveau du sol, bien droit. On ouvre et on revient. Voilà. Donc, même chose sur l'autre jambe, il n'y a pas de surprise, on va faire exactement le même travail. Pensez à placer vos épaules, la jambe ici tourne légèrement vers l'intérieur. Très bien. Encore. Voilà, super. 8 de plus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hop, une dernière. On reste sur le côté et la même chose sur l'arrière. Derrière et on revient. Voilà, toujours bien bien loin. Comme sur la première jambe. Grandissez-vous un maximum. Hop, hop. Hop, très très loin. Encore. 8, 7, 6, 5, 4. Ça chauffe comme sur la première jambe. 3, 2, dernière fois. Et on alterne les deux. Allez, venez avec moi. Côté et sur l'arrière. Allez, on lâche pas, on lâche pas. On s'accroche comme sur la première jambe. Hein. Si vous l'avez fait sur une première jambe, on peut faire sur la deuxième. Hop, hop. Allez, pensez toujours au placement, le dos droit, poussez un maximum dans votre étalon au niveau du sol. Vous allez davantage fixer et cibler au niveau des fessiers. 4 de plus, 4. Encore. 3. 2. Dernière fois. Ok, très bien. On marche tout doucement. Voilà, on dégourdit les jambes. Hop, vous pouvez très bien monter votre jambe. Soufflez un petit peu. On ouvre un peu sur le côté et sur l'autre côté. Ok, très bien. Placez-vous en squat large. On va essayer de travailler ici sur les fessiers ici et on va dire plutôt la partie qu'on appelle des fois la culotte de cheval. Donc juste ici sous les fessiers, d'accord? Donc placez-vous les pieds légèrement ouverts sur le côté. Voilà, on descend bien ici. Un peu plus. Le dos toujours bien droit. Regardez, toujours la tête alignée aux hanches et aux fessiers. Voilà, on tient, on descend. On remonte tout doucement. On bloque en bas. Hop. Et on remonte tout doucement. On bloque en bas. Et on remonte tout doucement. Si vous voulez travailler un petit peu plus, davantage, selon votre niveau, vous pouvez très bien faire la même chose avec des poids dans vos mains. Ou sinon, si vous voulez, avec une barre sur vos épaules. D'accord? Soit une barre un petit peu chargée ou juste des poids dans vos mains. L'objectif, c'est de garder votre dos droit. Si vous avez un bon placement, vous ne pouvez pas vous faire mal. Mais surtout, le dos droit en premier. Allez, on descend, hop, et on remonte ici. On descend et on remonte. 8 de plus. On bloque. Encore. 7. Un tout petit peu plus bas, on essaye. 6. Encore. 5. 4. 3. 2. Allez, la dernière fois. On reste ici. Allez, tout petit en bas. Pensez ici. Même chose, comme je dis souvent, le poids du corps sur le côté de vos pieds. Hop, hop, hop. Encore. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reste en bas. Allez, poids du corps d'un côté. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Genoux dans l'axe, toujours. Toujours, pas trop sur l'avant. Le dos droit, allez, on tient tout le poids du corps ici. Comme si votre jambe ici ne supportait aucun poids de corps. Juste celle-ci, la jambe d'appui. On change, l'autre côté, la même chose. Allez, la même intensité. Pensez à bien étirer ici. On revient au milieu et on est parti pour les petits en bas. Allez, bien petit en bas, encore. Voilà. Allez, pour 8. 7, 6, encore, 5, 4, on lâche pas, on lâche pas, 3, 2, on reste en bas, un peu plus bas, allez, les dernières secondes, 4, 3, 2, et on relâche, ok, soufflez un petit peu, relâchez vos jambes, allez, boire un coup et on se retrouve après. Ok, très bien, donc vous prenez une marche, un step ou quelque chose assez surélevé, vous placez votre pied
au milieu pour que ce soit assez sécuritaire. Voilà. Donc, vous placez vos épaules bien sur l'arrière. On va pousser. On monte et on descend. On monte et on descend. À chaque fois, poussez dans votre talon, montez votre genou et contrôlez votre descente. Le travail se fait ici, maintenant, là, sur la descente. Vous voyez, retenez à chaque fois. Hop, encore. 8. 7. On essaie de monter le genou un peu plus haut. 6. Encore. 5. 4. 3. 2. Hop, une dernière. On reste en haut. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte un peu plus haut. Ok, on repose le pied au sol. Toujours dans le même axe, d'accord? Donc là, essayez d'avoir vos deux pieds bien alignés. Ni trop derrière, ni trop devant, d'accord? Bien alignés, ni trop serrés ici. Vous devez être assez large ici. On est parti, on descend en squat, en bas et en haut. C'est toujours le même pied, d'accord? Le même pied ici que vous avez de poser, comme sur un squat normal. Sauf qu'ici, on va avoir un travail qui sera beaucoup plus efficace sur une jambe et sur un fessier, bien ciblé. Encore, c'est aujourd'hui le but de l'exercice, bien ciblé ici, pour travailler un maximum en profondeur au niveau du muscle. Encore. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reste en bas. Hop, allez, on tient. Un peu plus bas, on essaye. Allez, tous ensemble, vous et moi, un peu plus bas, un peu plus bas. Pensez au dos, toujours les alignements, genoux, épaules. 4, 3, 2, on reprend, 10 grands mouvements. On est parti pour 1, 2, 3, 4, 5, encore 6, 7, 8, 9 et 10. On reste encore 4, 3, 2, 10 mouvements vers le plafond. Allez, 1, c'est le dernier exercice de ce côté, 2, allez, 3, souvenez-vous, on contrôle bien la descente à chaque fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Soufflez un petit peu, relâchez un peu vos jambes et on est parti pour l'autre côté. Donc le pied bien au milieu, hop, bien la largeur, on est reparti. Allez, le premier exercice, on monte et on descend. Poussez un maximum dans votre talon. Aidez-vous des bras. Hop, ouvrez la poitrine, pensez à respirer. Vous verrez, vous respirez beaucoup plus si vous avez la poitrine ici ouverte que vous, si vous êtes sur l'avant, d'accord? Pensez à vos épaules, à vos fixateurs d'omoplates. Hop, encore. 8. 7. Encore. 6. 5. Allez, jusqu'au bout des mouvements. 4. 3. 2, une dernière, on reste en haut, hop, allez, on tient, pareil, on stabilise le fessier, 4, 3, 2, ok, et on relâche, très bien. On garde le pied ici, toujours les deux pieds bien alignés, d'accord, souvenez-vous, bien alignés. Les épaules sur l'arrière et on est parti en squat, comme tout à l'heure. On descend et on monte, on inspire et on souffle, en bas et en haut. Travailler ici unilatéral. Simplement un seul côté qui travaille davantage plus que l'autre. Encore. Encore. 8. 7. 6. Allez, 5. 4. 3. 2. Une dernière. On reste en bas. Hop. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Allez, encore un tout petit peu plus bas. Resserrez bien vos omoplates sur l'arrière. Encore 4, 3, 2 et on reprend 10 grands mouvements vers le plafond. 1, 2, allez, 3, 4, 5, montez votre genou au maximum. 6, 7, 8, 9, dernier et 10. Ok, très bien. Relâchez tout doucement. Relâchez vos jambes. Parfait.
On va alterner ici les montées de genoux, d'accord? Donc, on va alterner une fois à droite, une fois à gauche. Le pied toujours bien au milieu. On monte, hop, on descend. Hop, voilà. Comme si vous montiez sur un step. Sauf que là, on essaie de se concentrer sur le muscle qui travaille lorsqu'on monte, c'est-à-dire sur le fessier. D'accord? Donc lorsque vous montez ici, c'est un maximum le fessier ici. Voilà, bien les épaules sur l'arrière. Voilà. Allez, 8 de plus encore. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Dernière. Ok, très bien. Relâchez un petit peu vos jambes. On va boire un coup et on se retrouve au sol. Ok, donc on est parti au sol. On va faire des exercices davantage ciblés sur les fessiers. Allez, venez avec moi. Hop, placez-vous au bout de votre tapis. Venez vous allonger tout doucement sur le dos. Voilà, donc les pieds, largeur du bassin, un petit peu plus large que le bassin si vous pouvez, d'accord? Et cette fois-ci, l'exercice, on va faire en poussant un maximum toujours dans les talons. Les pointes de pied, on essaie de tout le temps les décoller, d'accord? On est parti. Alors, vous allez mettre le poids du corps ici, dans vos épaules. Levez les fessiers, serrez les fessiers. Hop, on décolle toujours les pointes de pied. Donc là, c'est notre position de base, on va dire. Donc, essayez de serrer les abdominaux, poussez un petit peu plus et là, vous serrez. L'objectif, c'est d'avoir toujours une contraction constante ici dans les fessiers. Donc, on serre et on est parti. On descend et on monte. Essayez de ne pas complètement toucher au niveau du sol. À chaque fois, toujours avoir un espace. D'accord ? Pour avoir une bonne amplitude, mais toujours un espace. Hop. Hop. Donc, poussez un maximum. Grandissez-vous. Normalement, ça va commencer déjà un petit peu à travailler avec ce qu'on a fait un petit peu avant. L'objectif, c'est d'avoir une contraction musculaire, d'accord? Toujours une bonne contraction musculaire. Encore 4, 3, 2, on reste en haut. Allez, on tient. Et là, on vient ouvrir les genoux sur les côtés. On ouvre et on revient. L'objectif, c'est de ne pas descendre les fessiers. Gardez toujours les fesses bien hautes, bien hautes. Et les pointes de pied tout le temps décollées. Voilà, encore, hop, hop, très loin, cherchez l'amplitude, loin à l'intérieur, sur les côtés, allez, pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reste ouvert, on tient, 4, 3, 2, ok, on relâche un petit peu. Ok, donc on va mettre un pied au milieu ici. Soit vous mettez un pied sous votre genou, ou alors vous mettez votre pied vers le plafond, d'accord? Comme vous préférez, comme vous êtes à l'aise. Il n'y a pas de plus dur ou moins dur. Peut-être celui-ci un peu plus dur, mais c'est à peu près la même chose. Donc ici, bien stable, le poids du corps toujours dans vos épaules. Et on est parti. On monte et on descend. On pousse et on redescend. Voilà, toujours bien le poids du corps dans votre talon au niveau du sol. Hop, hop. Allez, l'amplitude un maximum, on pousse. Là, vous devez avoir tout le poids de votre corps presque qui pousse dans votre talon pour travailler sur votre fessier. Allez, continuez comme ça, je vous montre quelque chose. Si vous sentez plus le travail dans l'arrière de votre jambe, ici, ramenez votre jambe plus proche de vous. Sinon, vous pouvez la reculer un petit peu plus de votre fessier. Soit vous êtes là, soit vous êtes là. Continuez sans moi, je reviens avec vous. On est parti encore pour 8, 7, allez, 6, 5, 4, 3, 2, on reste en haut. Allez, on monte et on en fait du tout petit en haut. Encore, hop, hop, hop. Allez, on pousse un maximum, cherchez loin l'amplitude vers le plafond. Encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reste en haut. On relâche, on change de côté sans poser les fesses au niveau du sol. L'autre jambe, l'autre côté, la même chose. On monte et on descend. On monte et on descend encore en haut et en bas. Super ça. Voilà. Cherchez une bonne amplitude vers le plafond. Très bien. Visez un maximum. Encore. Hop. Hop. Si vous pouvez essayer de serrer vos fessiers en même temps, ce serait parfait. Encore. 8. 7. 6.
Allez, 5. Encore. 4. 3. 2. On reste en haut. Et les tout petits en haut, comme tout à l'heure. Allez, hop, 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 hop. On monte un maximum. Le plus haut possible, le plus loin possible. Encore. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reste en haut sans poser les fesses au sol. On replace les deux pieds. Deux pieds assez larges, d'accord? Montez bien vos hanches. Je suis sûre qu'elles sont plus basses que la première fois. Allez, on essaye, on fait l'effort, vous et moi, de bien les monter. Parfait. Allez, on les serre et on revient. Premier exercice, on ouvre et on referme. Allez, là, c'est un travail qui est vraiment bénéfique avec tout ce qu'on a fait avant. Le poids du corps dans les talons à chaque fois. Très bien. Allez, un bon travail jusqu'au bout. On ne peut pas s'arrêter maintenant. Hein. Il fallait s'arrêter avant, maintenant c'est trop tard. Encore. 8. Allez, 7. 6. 5, allez, restez avec moi, c'est bien ça. 4, 3, 2, on reste ouvert sous les côtés. On serre, on serre, on serre et on en fait 15 petits en haut. 1, 2, 3, encore 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, on relâche, très bien. Allez, ramenez vos deux genoux au niveau de la poitrine, relâchez un petit peu vos fessiers. Et essoufflez. Ok, hop, attrapez un seul genou, on bascule, revenez ici. Donc, on va basculer, se mettre ici. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Et là, on va venir tendre sa jambe et on revient. Voilà. Là, on va faire un travail en unilatéral. Pareil, c'est la jambe qui ne bouge pas, qui est au sol, qui va travailler. Gardez la tête ici dans le prolongement du corps. Tendez votre jambe un maximum sans creuser votre dos. Très bien, encore. Hop, hop, hop. Allez, pour 8, 7, 6, 5, 4, 3. Allez, encore deux fois. 2, une dernière. On reste tendu, on monte et on descend en haut. Et on descend. Voilà. Si vous préférez, vous pouvez venir vous mettre sur les coudes. C'est exactement la même chose si vous avez besoin. Mais c'est pour toujours avoir le dos bien droit. Et c'est toujours pour être plus à l'aise. Si vous êtes ici sur les mains, ça marche aussi. C'est juste que vous risquez de cambrer un peu plus le dos. Ça dépend de votre souplesse au niveau du dos. Encore. Hop. Là, vous devez sentir que vous avez votre fessier qui commence à travailler. Pareil que tout à l'heure. Comme il essaie de se stabiliser, c'est pour ça qu'il travaille tout seul. Encore. Pour 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reste ici, on amène la jambe sur le côté et on revient. Sur le côté et on revient. Gardez vos abdominaux fixes, les hanches stables, hop, sans poser le pied à chaque fois au niveau du sol. Voilà, c'est là qu'on se dit, c'est lourd une jambe. Encore, pour 4, 3, 2, une dernière, et on reprend ici les tout petits. Voilà. J'espère que vous vous souvenez des exercices qu'on fait. On fera les autres sur la deuxième jambe. Exactement pareil, encore. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reste en haut. Replacez-vous sur les mains. On ramène ici, et là, on vient ouvrir sur le côté. Donc, on ouvre et on revient. Toujours la même jambe, hein? Toujours la même jambe. On n'a pas changé de jambe. Hop. Encore. Hop. Cherchez l'amplitude un maximum sur le côté. Continuez le travail. Et c'est lorsque vous ouvrez votre genou de garder vos hanches face au sol. Pas trop vous les ouvrir sur les côtés. Allez, je reviens avec vous. En haut et en bas. Hop. Serrez bien vos abdominaux. Encore. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reste en haut, on essaie de tendre sa jambe. Allez, un peu plus haut, on garde les hanches face au sol et on relâche. Ok, très bien. Venez vous asseoir sur vos talons, tirez vos bras sur l'avant et rentrez la tête. Voilà, relâchez bien. Parfait. Hop, on se redresse et on a la deuxième jambe à faire. Alors, la même chose, on commence, on tend et on revient. Parfait. Encore. Donc, cherchez le prolongement,
l'allongement de votre jambe, votre dos toujours bien bien droit, les abdominaux bien serrés. Là, c'est comme à chaque fois qu'on travaille une jambe après l'autre. On a toujours une jambe qui travaille beaucoup plus que l'autre et une jambe qui est beaucoup plus forte que l'autre. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez une jambe qui est plus facile ou pas. Allez, pour 8. Encore 7. 6. 5. 4. 3. 2. Une dernière. On reste tendu. Vous vous souvenez de la suite? On monte et on descend la jambe. Hop. Voilà. Tout petit battement sur les coudes si vous avez besoin. Et là, on sent ici que le fessier, ça travaille un maximum ici. Voilà. Pareil, c'est un travail en profondeur pour cibler. C'est ce qu'on veut aujourd'hui, bien cibler. Allez, c'est parfait ça. Encore. Allez, 8, 7, 6, on s'accroche. 5, encore. 4, 3, 2, on reste en haut. La suite, on ouvre sur le côté et on revient. Allez, avec moi. On lâche pas maintenant. On a fait le plus dur. Allez, courage. Encore. Hop. Hop. Pareil, gardez les hanches bien stables, les abdominaux bien serrés. Allez, 8 de plus pour 8. 7. 6. 5. Encore. 4, 3, 2, une dernière. On reste ici et on reprend les petits battements. Vous pouvez revenir ici sur vos mains si vous voulez. Allez, c'est comme tout à l'heure, comme tout à l'heure. Des tout petits battements. On va chercher le plus possible la brûlure, le travail de brûlure. La sensation, c'est comme si vous avez un couteau qui vous piquait. C'est vraiment très précis comme sensation, très précis comme douleur musculaire. Encore, allez, on s'accroche. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, très bien. Revenez ici sous les coudes et on va ouvrir la jambe sur le côté, comme tout à l'heure. On ouvre et on revient. Le dos toujours bien, bien droit. Fixez le bassin. Hop, hop, très, très bien. Loin, très, très loin. Voilà, gardez les hanches bien stables. Hein. Ne vous ouvrez pas trop, trop sur le côté. Encore, 8, 7, 6. Allez, jusqu'au bout, c'est le dernier exercice. 5, 4, 3, 2, une dernière. On reste ouvert sur le côté. Allez, comme tout à l'heure, on tend sa jambe. On tend, on tend, on tend, on tend, on tend. Encore, 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 encore. Et on relâche. Ok. Venez vous asseoir ici. Loin sur les fessiers. Et tendez vos bras sur l'avant. Parfait. Allez, on se grandit bien. Très, très loin, très, très loin. Voilà, venez ici. On alterne, on fait un dos rond et un dos plat. Voilà, relâchez un petit peu le bas du dos. Poussez dans vos mains maximum. Et on revient ici. Encore. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on revient. Venez vous asseoir sur vos talons. Ok, donc on passe aux étirements. On va étirer un petit peu tout ça. Hop, vous allez venir vous asseoir tranquillement ici. Hop, tendre vos deux jambes. Hop, vous grandissez. Vous ramenez bien vos pointes de pied proches de vous. Et là, vous allez basculer un pied sur votre genou. Donc là, on va étirer un maximum le fessier. On va essayer de descendre. Soit vous descendez au niveau de votre genou, soit de votre mollet, votre tibia ou votre pied. D'accord? Sinon, vous attrapez votre chaussette. Ça peut vous aider ou vos lacets. Une petite astuce, sinon vous prenez une serviette et vous tirez ici. D'accord? Ça vous aidera à descendre un petit peu plus bas. Relâchez le menton, les épaules. Et essayez tout doucement d'appuyer un tout petit peu sur votre genou ici. Ça va vous faire étirer au niveau du fessier. Ok, redressez-vous tout doucement. On change de côté, la même chose. Hop, le pied sur le genou. Et on descend tout doucement. En essayant d'appuyer légèrement sur votre genou. Voilà, très très bien. Hop, redressez-vous tout doucement. Voilà, ramenez les talons proches des fessiers.
Mettez-vous en petite boule, arrondissez le dos un maximum, essayez de rentrer la tête et on se redresse tout doucement. Hop. Les bras, on relâche les épaules et vous allez dérouler vertèbre après vertèbre, les épaules en dernière et la tête. Voilà, enroulez un petit peu vos épaules. Voilà, super. Ok, très bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire cet exercice une à deux fois par semaine. Vous allez voir, vous allez travailler vos muscles vraiment au plus profond. Gardez une vie active, une alimentation saine et équilibrée. Abonnez-vous à la chaîne du L. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu. Mettez-nous un petit like et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !